Alors là, nous sommes bien arrivés, mais tous nos bagages sont restés sur Abidjan. Les gars, vous imaginez pas là, on vient, on nous dit, il y a l'hôtesse qui nous dit qu'on ne peut pas avoir nos bagages parce qu'il n'y a pas assez de carburant sur Dakar. Donc c'est pas possible, les gars. Moi, j'ai tout mis dans mes bagages, j'ai tout mis en soute, mes habits, tout, je vous dis tout, absolument tout. Tout est dans mon bagage en soute. Dongo. Dongo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Départ sur Dakar ce matin. Je me précipite parce que là, je suis vraiment réellement en retard. Il me reste peut-être 2-3 minutes. Mais voilà, j'ai pas d'introduction à faire. Juste que suivez l'aventure. Vous connaissez, c'est speed, toujours speed. Toujours dans la speedness. Donc tranquille les gars, let's go, let's go. Tu veux dire bonjour? En retard, ouais. Avec ma femme, ma femme. L'objet de la vidéo, tu nous agaces, tu nous fatigues. Vas-y, remets ton panneau. Alors, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis pas de Péodène. Là, on est à Abidjan en escale. On a encore une heure de temps et après, on part
à Dakar. On part à Dakar. Et là, par exemple, il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore d'ambiance Cannes, tout ça. Mais je pense que à notre retour, ça va prendre beaucoup d'effets. Et là, on a encore une heure de temps avant de partir à Dakar. On est à l'aéroport et on attend juste un peu, une heure de temps. Et dans une heure, on part sur Dakar. Allez, let's go, les amis. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. It's your fucking boy, spin in the building. Gang, gang, gang. Les gars, vous imaginez pas là, on vient, on nous dit, il y a l'hôtesse qui nous dit qu'on ne peut pas avoir nos bagages parce qu'il n'y a pas assez de carburant sur Dakar. Donc, on ne peut pas avoir nos bagages. Et nous, on va à un truc où c'est impossible. Regardez mon bagage jamais. C'est juste le sac. Maintenant, on ne peut pas avoir de bagages. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas assez de carburant à Dakar, donc on ne peut pas avoir de bagages. Parce que c'est pas sûr qu'on ait nos bagages là-bas à Dakar. Donc, c'est pas possible, les gars. Moi, j'ai tout mis dans mes bagages. J'ai tout mis en soute. Mon bagage à main, c'est mes enceintes et puis mon micro, cadrage, tout ça que j'ai mis dans le sac en bagage à main. Maintenant, on me dit, on ne peut pas avoir nos bagages. Comment est-ce qu'on va faire? Oh, tous mes habits, tout. Je vous dis tout, absolument tout. Tout est dans mon bagage en soute. Hello. Bon, le mood est vraiment down actuellement parce que je pense que Speed vous disait il y a quelques instants, on n'aura pas nos bagages. Et fun fact, on avait quand même préparé nos bagages à main avec les essentiels. En fait, on va pour un mariage, c'est ce qui est encore plus compliqué. On est prêt à décoller là et on se demande bien comment est-ce que ça va se passer. On n'a que nos sacs à main, avec que nos essentiels, genre passeport, pour moi, trousse de maquillage, vite fait, et des petits trucs en fait. Rien, on a dû mettre nos bagages en main qui faisaient, enfin le mien surtout, qui faisait un peu plus de kilos que prévu en soute à la dernière minute, si seulement on savait. Maintenant, c'est pas sûr qu'on ait des bagages. Plutôt, c'est ce qui est compliqué. Alors que nous sommes jeudi et que le mariage, c'est samedi. Pire, j'anime le mariage en question. C'est pas drôle, mais ça fait rire. Et on nous avait averti sur le fait que Air Côte d'Ivoire et les bagages, ça fait deux. Et voilà que ça s'est confirmé en fait. Et, espérons que, parce qu'on dit que ça pourrait arriver, certains pourraient arriver, mais espérons bien que les nôtres y soient. Demain, ouais, rien n'est sûr. Mais ils disent peut-être demain. Demain, ouais. Si ça arrive demain, là, c'est bien. Parce que s'ils ne ramènent pas ça demain, on est cuit. Hein. Cuit, enterré, en fait. Petit porteur. Armement des toboggans.
Là, on vient d'atterrir sur Dakar et là, on est en train de prier fort pour avoir nos bagages parce que là, on nous a bien dit que c'est peut-être qu'on n'aura pas de bagages. On vient d'atterrir là, comme vous le voyez, on va essayer de prier pour pouvoir retrouver nos bagages. Ou à la limite, on a quatre valises, non? Ouais. Quatre. À la limite, si on peut retrouver les essentiels, c'est bien aussi, mais on va essayer de voir. Kungo. Kungo. Est-ce que vous avez mon bagage de l'autre côté? Non, elle va encore ici. Wake up to Senegal. Tu vas faire tête. Alors là, nous sommes bien arrivés, mais tous nos bagages sont restés sur Abidjan. Tous nos bagages. Là, on a vu que les denrées périssables, des trucs. Bon, en tout cas, on en avait besoin aussi. Maintenant, il faut prier. Il faut prier à ce que demain, ici demain, matin, ce soit impossible. Demain, possible. Je pense. Non, possible. Ok, il faut juste prier. Mais que demain, ça arrive avec Air Sénégal. Prions. Croisons les doigts. Les amis, on vient d'arriver à la maison comme ça. On vient de rentrer, on est à la maison et voilà, c'était un long trajet, les gars. Long trajet, les bagages, vous savez l'histoire des bagages et tout. Là, on vient d'arriver et là, je pense qu'on va prendre un bon coup, manger, boire, se doucher et voilà. Sinon, les amis, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne et voilà. Ce boy spit in the building like you always know. Maintenant, place à... On oublie l'histoire des bagages. Et on va kiffer. On va kiffer la ville. On va kiffer Dakar, les amis. On va kiffer Dakar. Let's go. Love you guys. C'est des food là. Et voilà. Voilà, yeah. Ah. Après, je reviens manger. On va dîner ensemble ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu te plies de moi, hein? Vraiment, qu'est-ce que je ferais? Heureusement que tu es là. Si c'est ton autre, hein? L'autre là. Hein? L'autre là, tu sais. Ah non, ça va, tu es mon vrai chéri, même ces deux vies. Je n'aime pas, hein? Ça s'appelle Tony, hein? Il s'appelle Tony. Hé, maman, dis qu'elle a trouvé son ennemi, hein? Sandwich, même Sonia. On a mangé du riz avec.